Simon. Donc on réclame l'abrogation du décret qui a été passé à l'Assemblée nationale et au journal officiel plutôt le 13 novembre, qui passe le taux de TVA de 7% à 20%. En quoi pour vous c'est un frein en fait hein? Ben, c'est un frein parce que les centres équestres auront plus de mal à vendre une activité plus chère. Donc automatiquement on attend une baisse des licenciés, une baisse de la pratique. Ce sport a été démocratisé jusqu'à maintenant, depuis les années 50, de façon exponentielle. Et on espérait que ce mouvement ne s'arrête pas.